m'entende. Bonjour à tous, je m'appelle Carlotta et aujourd'hui on va vous parler du film Coco, réalisé par Lee Unkrich et produit par Disney Pixar. C'est un film d'animation pour tous les publics et on peut le voir sur Disney. Puis il est sorti en 2017. Sabina, peux-tu nous faire un petit résumé du film? Oui, Miguel est un garçon d'une dizaine d'années mexicain qui adore jouer la guitare. Mais dans sa famille, c'est interdit, car son arrière-grand-père a raté sa vie de musicien. Des années plus tard, Miguel veut jouer la guitare dans la fête des morts de son village. Mais comme il n'a pas d'instrument, il va voler la guitare d'Ernesto de la Cruz, un célèbre musicien mort et très connu. Seulement voilà, la guitare est ensorcelée et emmène Miguel au monde des morts où il trouve des familiers et il doit essayer de revenir dans une seule journée. Et Mathéo, quels sont les personnages principaux du film? Les personnages sont Miguel, Héctor, Ernesto de la Cruz, Abuelita et Mama Coco. Mon personnage préféré est Miguel, parce que c'est un enfant rigolo et bien mignon. Mais Mathéo, sais-tu quelque chose sur les graphismes? C'est un film en couleur et les personnages sont animés de forme à mon sens. Moi, j'aime ce film parce que la bande son a des paroles excellentes. Moi, j'aime ce film parce que la bande originale a des chansons très amusantes et qu'il raconte des petites histoires avec beaucoup de rythme. Moi, j'aimais le thème de ce film, car il y a très peu de films qui partent de la peur sur un ton de joie. Moi, je l'ai vu quand j'avais 6 ans, et maintenant en plus, je la vois et je vois d'autres détails. En conclusion, on recommande ce film à tous les publics, parce que la mort est un thème qui fait peur à certaines personnes. Mais ce film a plus de rire que peur. Cette émission est terminée et on remercie Mariana et Carmen pour nous filmer, Alvaro et Dori pour nous aider et aussi à vous tous pour nous regarder. Au revoir! À bientôt! Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito! Estás bien, mijo!